Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Salut à tous, c'est Edouard, je vous retrouve pour une nouvelle review avec le Transformers War for Cybertron Siege Voyager Class Starscream. Ces noms sont décidément très longs. Donc, nous avons déjà commencé par la boîte où nous avons Transformers en rouge ici sur fond noir, le logo Generations. En haut, nous avons Takaratomi. Voilà, décidément, le cadrage commence très bien. Hasbro, ici, Siege War for Cybertron, une image assez sympathique. Qui doit représenter, je sais pas, il y a une épée au milieu, je sais pas ce que ça représente d'autre. On a donc ici WFC S24 Decepticon Starscream, donc le petit logo en fond que l'on retrouve juste ici. Sur le côté, nous avons un dessin de Starscream qui fait très sombre, je trouve, avec des traits très épais. Ça reste un peu dans le même. Dans le même style que ce que j'avais présenté sur Megatron et Soundwave. Ici nous avons un Starscream qui a l'air un peu quand même énervé. Je sais pas ce que Megatron a bien pu lui faire pour qu'il soit énervé comme ça, ou alors je sais pas, il y a un autre, on lui a marché sur le pied, ou je sais pas. Donc ici nous avons Voyager Class, si je vais moins vite ça devrait aller mieux. Nous avons ici l'artwork de Siege, ou enfin Cybertron. D'ailleurs, juste à noter comme ça, on a eu apparemment aujourd'hui la rumeur comme quoi Wheeljack irait dans War for Cybertron, enfin dans Siege, mais je pense qu'on a un petit Wheeljack qui est ici depuis le début. Donc bon, parler de rumeur, il y a mieux. Donc voilà l'artwork qu'on a, comme d'habitude, ici d'ailleurs Transformers Authentique. Sur le dessus, un logo Decepticon très joli, War for Cybertron. En dessous, le numéro, parce que ça vient de Toys R Us. Transformers Authentique. On l'a deux fois, c'est original. Le code barre, tout ça, attention, c'est ne pas manger ce qu'il y a dedans. Et derrière, donc, nous avons Starscream, avec différents trucs, donc mode robot alternatif, les cross-cells, et les 35 langages des packagings d'Europe. Voilà. Donc, avant de passer à la figurine, nous allons voir un peu ce qu'il y a d'inscrit sur le côté. Et donc sur le côté de cette boîte, je trouve qu'on n'a pas grand chose d'intéressant. Donc on a des dessins comme d'habitude avec qui reprend les contours du dessin original, ici WFC S24, je crois que c'est une inscription en plus, logo Decepticon. Ici j'ai l'impression qu'on a quelque chose, mais ça doit juste être marqué Starscream en cybertronien. Ou quelque chose comme ça. Le code qui correspond à Starscream, même si je sais pas trop ce que ça... Ah, ça va être Null Ray. C'est ses armes. Ici, nous avons donc Starscream et Transformers en bas. Donc voilà, il y a vraiment pas grand-chose. Quoique, c'est quand même très lumineux par ici. Je ne sais pas ce que ça peut être. D'ailleurs, c'est marrant parce que la lumière noire, ça réchauffe un peu. Donc voilà, on va donc repasser en lumière normale avant de regarder la figurine. Le tour de la boîte étant fait, on peut maintenant passer donc à la figurine en elle-même. Le Voyager Class Starscream. Et je trouve que c'est une petite réussite quand même. Donc déjà, pour commencer, certains ne sont pas totalement fans de ce mode Tetrajet. Alors pas forcément de l'idée même du Tetrajet, mais de ce mode Tetrajet, on verra pourquoi plus tard. En tout cas, pour ce qui est du Tetrajet, je trouve que c'est absolument génial. Étant donné que c'est le mode alternatif que les Seekers ont sur Cybertron dans G1. Pas par exemple comme Megatron, qu'on n'a pas vu en mode alternatif dans le dessin animé G1, ou Soundwave qui ne se transformait qu'en lampadaire sur Cybertron, d'après ce qu'on a vu. Là donc, on a un Tetrajet qui est un mode cybertronien quand même reconnaissable. Enfin, si par exemple Megatron est clairement un mode alternatif terrestre, enfin mode alternatif reconnaissable en tant que mode alternatif terrestre, et Soundwave est un mode qui est très très difficilement acceptable comme mode alternatif proche de quelque chose de terrestre,
Starscream est un parfait exemple de ce qui est l'entre-deux, de ce qui est en général considéré comme du cybertronien. Du cybertronien accepté par la majorité. Je commence directement par faire une aparté, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. On parlera un peu de ça plus tard. Prenons déjà un petit moment pour faire le tour de ce mode alternatif, donc qui est un tétrajet, comme j'avais dit. Parce qu'il a la forme tout simplement d'un tétraèdre, les pyramides à base triangulaire. Si on voit ici, on a la base triangulaire, ensuite ça fait des triangles sur le côté, et même à l'arrière, mais on verra la partie arrière un peu après. Donc, on commence ici avec un nez bleu comme ça, de magnifiques peintures qu'on remarque directement pour faire les dégâts, tout simplement les dommages qu'il a reçus en bataille. Donc avec pas mal d'applications à cet endroit-là, ça se continue un peu comme ça de chaque côté. Et on en a beaucoup au niveau des ailes, ce que je trouve absolument génial. Ça rend très bien. J'ai l'impression que quand je n'y fais pas attention, je les vois pas. C'est comme si elles n'étaient pas là. Alors que quand je regarde bien, je les vois vraiment. Et c'est quasiment gênant quand je les remarque. Mais voilà, je le trouve quand même très très bien. Le mold est très sympathique. On a beaucoup de petits détails. Donc pour continuer au niveau des couleurs, on a du rouge ici. Bon, qui se continue en dessous. Hein, c'est juste la couleur du plastique à l'intérieur. On a du gris ici et du orange là, alors juste pour parler comme ça du cockpit, ça peut juste être par exemple là où se cachent les optiques en mode alternatif. Parce que bon, ils peuvent avoir les capteurs qu'ils veulent, ça voudrait, s'ils ont n'importe quel capteur, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas forcément avec notre lumière visible, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas besoin d'yeux en mode robot, mais s'ils ont besoin d'yeux en mode robot, ils ont bien besoin d'yeux en mode alternatif. Donc un cockpit peut très bien être là où se placent les optiques en mode alternatif. Voilà, comme ça au moins je viens d'expliquer... Je viens de donner une deuxième explication, autre que celle que j'utilise dans mon propre univers, une deuxième explication au fait qu'il y ait des cockpits sur les modes alternatifs cybertroniens. Voilà, donc ensuite nous avons aussi du gris foncé ici, on a du rouge là, le gris foncé qu'on retrouve ici, du rouge de ce côté-là, enfin des deux côtés, mais ici. Rouge d'ailleurs que je trouve très joli, ici, surtout avec le gris dessus, ça, c'est bien pétant. On a un logo Decepticon ici que je trouve... pas génial, je sais pas ce que j'ai avec ça, peut-être que les yeux sont trop grands ou que le placement est bizarre, je ne sais pas. Voilà. En dessous, on a un peu de bleu parce que quand on regarde en dessous, en fait, on a vraiment, on peut le poser comme ça d'ailleurs, on voit vraiment ben, les jambes et les bras. Est-ce que c'est grave? Ben non, parce que de toute façon, sur Cybertron, si tu vois un tétrajet, tu sais que c'est un Transformers, donc il n'y a pas besoin de se cacher. À partir du moment où les jambes sont protégées au niveau de, enfin, pour ce qui est les tirs qui viennent d'en dessous, puisqu'on est quand même dans un contexte de guerre, donc j'imagine qu'il y en a bien qui vont essayer de tirer par en dessous. À partir du moment où les jambes sont protégées, ce qui semble logique étant donné que c'est l'avant des jambes, donc ça sera protégé sur le robot, et les bras sont protégés, ce qui est logique aussi, c'est bon, c'est pas grave si on les voit en dessous, pas du tout. Pareil ici, à partir du moment où c'est un peu protégé, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on peut très bien imaginer qu'ici c'est blindé, il n'y a aucun problème à avoir ce visuel-là en mode alternatif. Voilà. Pour ce qui est de ça, il n'y a qu'à dire qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Cybertron, et voilà, c'est pas grave, enfin, le problème est réglé. De toute façon, quand on voit le mode alternatif de Soundwave, on se dit que soit il va pas très vite, soit il a une résistance vachement plus grande que ça. Quand même. Voilà. Donc, pour ce qui est ensuite de la face arrière, et ben c'est là que ça commence à gêner un peu. Alors, moi, ça me gêne pas spécialement, étant donné que dans la transformation... Dans la première séquence de transformation du dessin animé G1, enfin la première séquence de transformation des Seekers sur Cybertron dans le dessin animé G1, on voit que le cockpit disparaît à l'intérieur. C'est une coquille qui se referme autour du robot pour former le tétrajet. Donc le cockpit du mode robot, qui est exactement le même que sur le mode terrestre, le cockpit n'a rien à voir avec le cockpit qui est sur le tétrajet. Donc, on peut toujours dire que c'est un peu dommage de ne pas avoir planqué ça quelque part d'autre, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il y a des tirs derrière, ici c'est des réacteurs, là c'est des réacteurs, là c'est les ailes donc il n'y a pas beaucoup de place pour tirer, ici c'est les épaules donc on pense que c'est blindé, ici c'est le torse du robot donc on pense que c'est blindé. Il n'y a pas de problème, même s'il se fait tirer dessus. Et vu qu'on sait que c'est un robot, c'est pas grave d'avoir le torse qui dépasse. Donc, c'est pas grave d'avoir le torse qui dépasse derrière. Je sais que niveau ingénierie, sans rentrer dans le détail de la fiction, ça peut paraître un peu paresseux de ne pas avoir fait disparaître le torse ailleurs. Mais quand on verra le mode robot, je pense, enfin,
Avec le mode robot que ça a, personnellement, je trouve que ça compense très largement ce petit problème-là qui n'en est pas vraiment un. On peut toujours dire qu'il y a comment, un petit truc ici qui va casser un peu la ligne. Ça casse la ligne, mais c'est pas fait pour être esthétique de toute façon, étant donné qu'on, vu comment il est sale, Starscream, enfin, vu comment, oui, vu les peintures et le fait qu'il soit sale comme ça, Starscream ne se, comment, n'a pas spécialement envie de faire attention à ce à quoi il, enfin, ce à quoi il ressemble, son apparence, donc casser un peu la ligne d'une, de quelque chose que la plupart des Autobots ne verront que par en dessous, c'est pas extrêmement grave. Et même, c'est pas ça qui va bloquer plus l'air, c'est plus ça. Voilà, donc ça, c'est pas très grave. Je sais, je pinaille sur des. Enfin, je fais des apartés sur des trucs auxquels personne n'aura réfléchi, mais au moins. Enfin, personne. Il y aura peut-être une personne qui aura réfléchi, donc au moins, j'en aurai parlé. Donc, j'ai déjà expliqué ce qu'il y avait en dessous. Starscream vient avec deux armes qui sont ici, c'est Null Rays. Alors, certains disent que ce ne sont pas des Null Rays parce que, oh mon dieu, il y a une lunette de visée dessus. Les deux sont exactement pareils, et d'ailleurs. Il n'y a pas de trou, ce qui est absolument génial. Oui, ça ressemble plus à des fusils. Et alors, même s'il les a sur les bras après, qu'il regarde pas par le fusil, ce qui apparemment dans les premiers épisodes de G1 n'est pas, enfin, n'est pas vérifié, étant donné qu'ils les ont dans la main, c'est pas grave. Avec un peu de chance, c'est si c'est des trucs qui tournent un peu eux-mêmes sur les bras, parce que bon, on va viser avec un truc qui est sur ton épaule alors que tu vois même pas là où il vise, c'est pas facile. Si c'est un truc qui peut s'ajuster un peu avec les bras, s'il a une optique ici pour pouvoir viser un peu mieux. C'est quand même beaucoup plus pratique, non? Donc voilà, encore une fois, j'ai expliqué quelque chose. Et j'aime expliquer des trucs, donc c'est parfait. On a des petits détails dessus qui sont franchement très sympathiques. Et donc ici, on pourrait mettre un truc, comment? Une pièce pour faire pour donner des effets de tir. Mais je n'en ai pas encore, étant donné que je n'ai pas de. Je n'ai pas de. Mince. De Battle Masters, de toute façon. Même si j'en avais, je ne vous les aurais pas montrés, étant donné que je ne les aurais pas encore fait en review. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant passer à la comparaison. Donc les comparaisons avec les deux précédents Voyager que j'ai fait en review. Donc Megatron et Soundwave. Et je trouve qu'ils donnent pas spécialement. Excusez-moi. Je trouve qu'ils ne donnent pas spécialement très bien tous les trois ensemble. Alors j'ai l'impression que les chenilles à l'avant de Megatron ont tendance à se déclipser. Elles sont un peu écartées sur le côté. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est juste une impression, je pense. Bref, c'est pas grave. J'ai pas l'impression qu'ils donnent extrêmement bien tous les trois. Pourquoi? Parce que c'est pas trois véhicules qu'on verrait les uns à côté des autres et surtout pas à la même échelle. Voilà. Alors je sais que l'échelle. Enfin, c'est même un argument que j'utilise pour défendre les jouets Warfare Cybertron. Il n'y a pas d'échelle. Enfin, l'échelle ne compte qu'en mode robot pour les Warfare Cybertron. C'est pas des modes alternatifs terrestres. Donc, même si le tank avait été 25 fois plus gros que l'avion, ça aurait pas été grave, parce que c'est pas un avion et c'est pas un tank. Enfin, c'est pas des trucs terrestres. C'est des véhicules cybertroniens. Donc, il n'y a pas de problème niveau échelle. Mais quand même, j'aurais plus tendance à penser que le jet est plus gros que le tank, et que ça, c'est un bombardier qui est vraiment gigantesque à côté du jet et donc aussi à côté du tank, par transitivité de la relation d'ordre. Mais ça, beaucoup n'auront pas compris. Bref, sinon, il reste à peu près dans le même style. À noter que, quand même, Megatron est le plus. Enfin, est celui avec les détails les plus. Comment? Les moins fins, on va dire. Sur Soundwave, on a beaucoup de peinture comme ça, de peinture de dégâts, qui fait de la peinture très fine, avec des détails aussi très fins et qui sont vraiment partout. Sur Starscream, on a des détails qui sont un peu plus grossiers au niveau de la peinture, mais avec des détails qui sont toujours assez présents, un peu moins que sur Soundwave quand même. Et sur Megatron, on a des détails qui sont encore plus gros, et avec de la peinture qui est encore moins présente et avec des trucs un peu mieux dessinés. En quelque sorte. Donc c'est comme si on avait vraiment trois échelles différentes rien qu'avec les détails qu'on a sur les surfaces. Ce que je trouve quand même vraiment dommage. Ça sera pas vraiment le cas en mode robot parce que si on est habitué à voir les personnages à l'échelle G1, on voit pas de problème étant donné que l'échelle est respectée entre les trois en mode robot. Mais quand même, en mode alternatif, je trouve qu'il y a quand même un petit truc, surtout qu'on a un seul mode terrestre et deux modes volants, enfin si on considère ça comme étant un mode volant, même s'il n'ayant pas de roues ni chenilles, on ne peut pas dire que c'est un mode terrestre. Bref, donc ces deux-là sont censés voler, et le tank est censé rester à terre, donc ils sont pas forcément dans le même. Comment?
vu dans le avec le même décor en quelque sorte. Et je voulais dire autre chose à propos de ça. C'est que oui, c'est que les Decepticons d'Angéar savent tous voler dans le dessin animé apparemment. Et voir un tank voler, ben ça j'imagine que ça se voit pas tous les jours, peut-être en Russie, mais pas dans le reste du monde. Et peut-être pas sur Cybertron du coup. Bref, donc je sais pas si c'est tout ce que j'ai à dire sur le mode alternatif, je crois que j'ai fait à peu près toutes les apartés que je voulais. Je ne sais pas si aparté est un mot féminin ou masculin. C'est pas grave. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas trop mal non plus. On verra donc après pour les modes robots. On va donc pouvoir passer à la transformation de ce Starscream. Transformation que je trouve quand même, enfin qui est simple, mais que je trouve ingénieuse pour une ou deux parties. Donc on va voir après. On va donc commencer par enlever ces deux armes. Armes qui peuvent d'ailleurs se positionner aussi sur les pegs ici et là, mais c'est quand même. Ça tient quand même beaucoup mieux de les placer ici. Voilà, donc on les enlève, on les met sur le côté. On va commencer par détacher en faisant attention. Enfin, on peut déjà ramener ces pièces-là vers le bas. Donc vous voyez, on prend ici ce qui va faire le talon et on ramène vers le bas. Ça va nous permettre de prendre ce qui va faire évidemment le torse plus facilement et de le ramener vers le bas. A noter que j'ai la première version du mold, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'axe métallique ici, c'est-à-dire que le torse peut s'en aller très facilement. Alors, sur un des deux, il tient très facilement, enfin très bien, mais là, il s'en va. S'en va tout seul quasiment. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on peut prendre la pièce à l'arrière ici, donc la pièce avec les réacteurs, la détacher du dessus et la, enfin la détacher du haut et la ramener sur le dessus comme ceci. Voilà. Et donc là, on peut avoir le Tetrajet qui est comme ça et qui va avancer en fait comme ça. Ce qui est un peu débile. Je vous l'accorde, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passerait. Ensuite, donc on vient détacher les bras du dessous des ailes. Comme ça, et si on tire assez fort, ça va même détacher donc cette pièce-là qui normalement se passait en dessous, comme ça. Voilà. Donc il faut remonter ça. On avait deux pailles ici qui venaient se mettre ici. Voilà. Donc on vient remonter entièrement comme ça. On soulève ça et là on voit qu'en fait on a le robot dessous et le Tetrajet dessus. Mon Dieu, c'est un shellformer, c'est horrible, on n'a pas le droit de faire des shellformers étant donné que de toute façon c'est un mode cybertronien et que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est même pas grave de faire un shellformer étant donné qu'un shellformer nécessite des panneaux qui peuvent très bien être du blindage. Donc c'est pas grave d'avoir un shellformer sur Cybertron. C'est un peu dommage de ne pas utiliser les parties du mode alternatif étant donné que tu es toi-même le robot et que tu n'as pas à te déguiser, donc tu peux utiliser seulement les parties de ton mode alternatif pour faire le mode robot. Mais c'est pas grave, je trouve que c'est pas grave, ça peut toujours s'expliquer. Voilà. Donc, on va maintenant déplier le robot. Donc, il suffit de détacher les bras du côté des jambes. Donc, c'est exactement les mêmes prises que. Enfin, l'écartement est différent, mais sinon, c'est les mêmes prises qu'il y avait sur les ailes. Voilà, donc on les ramène comme ça. Et on peut déjà écarter les bras vers l'extérieur. Ensuite, on prend les jambes et on vient tout simplement les séparer. On avait un peg ici qui venait se mettre à l'intérieur comme ceci. On vient tourner le bassin. On remet les pieds comme ils étaient avant et on peut d'ailleurs sortir le talon et l'avant du pied. Pareil de ce côté-là, le talon, l'avant du pied, comme ceci. Ensuite, on vient prendre cette pièce-là. Vous ne voyez pas. Faut juste que j'ajuste. Voilà. On vient prendre cette pièce-là avec la pièce grise évidemment. On appuie comme ceci vers le bas pour que ça vienne se positionner comme ça. Ça se clipse un peu. J'ai pas trouvé exactement où ça se clipsait. Ah oui, si. C'est les. Comment? C'est ces pièces-là qui viennent se mettre à l'intérieur de cette. Comment? De ce grand trou ici. Comme ça. Ce qui va faire sortir un peu la tête que l'on peut directement relever. On peut prendre le panneau gris qui est derrière. Et le ramener simplement comme ça. Voilà, ça vient fermer ça vient fermer le trou qui est causé par la tête. Étant donné que quand on mettra le dos comme ça, on verra un énorme trou sous la tête. Oui, cette phrase était sarcastique. En fait, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ce panneau-là. À part ne pas faire bouger la tête quand on transforme Starscream en mode alternatif. Il n'y a pas vraiment de raison à ce panneau. Je ne sais pas du tout pourquoi ils l'ont fait, mais c'est pas grave, il est là, c'est cool. Ensuite, donc, on vient séparer cette pièce-là en deux. Alors, cette pièce-là,
de base est extrêmement bien tenu grâce à ces pièces-là, étant donné que la peinture rajoute une épaisseur non négligeable sur les pièces, ce qui fait que ça tient beaucoup trop bien. J'ai dû utiliser un outil pour les séparer, ce qui fait qu'il y a un peu de peinture là qui est partie. Voilà, c'est raflé à cet endroit-là. Dommage, ça se voit pas trop, donc ça passe. Mais c'est dommage quand même. On ramène ça entièrement vers le haut, et c'est là que c'est magique, parce qu'en fait, l'avant du jet forme les prises d'air qu'il y a sur les épaules de Starscream depuis 35 ans. Je trouve que c'est un choix de design absolument génial. Ça réutilise quand même donc une partie, donc oui, on va reclipser dans le dos. Ça réutilise une partie du mode alternatif en mode robot, ce que certains auraient tôt fait de dénoncer pour dire que ce Starscream était pourri. Mais il n'en est rien, donc on utilise quand même une partie du mode alternatif en robot. En même temps, qu'est-ce qu'il y a comme partie sur mode alternatif? Les ailes, qu'on utilise bel et bien en robot, étant donné que ça fait les ailes de Starscream. Les réacteurs, bon, qu'on met à l'arrière, mais ça, on pouvait toujours les cacher dedans, ça n'était pas utile pour le mode robot. Et le cockpit, qui n'est pas le même que sur le mode de robot, étant donné que ça aurait fait un Starscream beaucoup moins géant. Et que le principe de cette gamme, c'est de faire les transformations les plus géants possibles. Sauf pour Crosshairs et Slamdance apparemment, mais c'est pas grave. Bref, donc, on peut ramener les bras comme ceci. Et là, on a une transformation très sympa qui me rappelle quand même pas mal celle qu'il y avait sur Top Spin et Twin Twist Titan's Return, à ceci près que le panneau qu'on ouvre ici contient directement la main et surtout fait la moitié, enfin fait un double panneau plutôt que n'en faire qu'un seul, donc et donc avoir l'autre qui fait les trois quarts de l'extérieur. Donc on vient sortir la main. On tire comme ça pour sortir le coude qui est sur un double axe, comme ceci, et on fait pareil sur l'autre bras, comme ceci. Pour avoir notre Starscream en robot, il n'y a plus qu'à mettre les Node Rays sur ses épaules, et nous avons fini Starscream. Nous avons donc Starscream en mode robot, et je trouve que même si la transformation était simple, on a un Starscream qui arrive à être absolument magnifique, et franchement, c'est peut-être, c'est quasiment, oui, le Siege que je préfère pour le moment dans ce jeu. Voilà, à ce point. Donc, nous avons déjà un mode robot qui est extrêmement G1. Donc, on voit à peu près tous les détails qu'on voit sur le G1, c'est-à-dire déjà les couleurs. Le torse rouge avec les prises d'air qui sont rouges. La tête qui fait quand même assez G1, même si j'ai un peu de mal avec le visage, on verra ça après. On a évidemment le torse dont j'ai parlé avant. Par contre, petit conseil pour faire des vidéos, évitez de tourner la suite de la vidéo, enfin après une coupure, 3 jours ou 4 jours après, parce que sinon vous ne vous souvenez plus exactement de ce que j'ai dit. Donc je pense que j'ai parlé du cockpit. Et donc, on a un cockpit qui est très géant, même si ce n'est pas évidemment le cockpit du mode alternatif. On a ici des pièces qui auraient dû, je pense, être un peu plus renfoncées, mais par rapport à comment la pièce est faite, ils ne pouvaient pas vraiment faire de détails plus renfoncés à l'intérieur, tout simplement, ou alors ils auraient dû être sur la pièce de derrière. En fait, à la limite, s'ils avaient fait ces turbines-là à ce niveau-là, ça aurait été un peu mieux, même si on n'aurait pas eu ces articulations-là, ou alors elles auraient été un peu moins bien faites. Voilà. On a aussi, évidemment, ici, en rouge, les avant-bras en bleu, ce qui est extrêmement G1. Et donc, les pieds, qui ne sont pas du tout comme le jouet G1 ou le Deluxe Classics, mais comme les pieds plutôt du Masterpiece, qui sont les pieds qu'on voit dans le dessin animé, tout simplement. Voilà. Donc on va regarder un peu plus les détails, et ce Starscream est vraiment plein de détails. Comme j'ai dit en mode alternatif, on avait pas mal de lignes de gravure un peu partout. Et ben là, c'est toujours aussi autant le cas. Un peu moins, comme j'ai dit, que Sandrift quand même, mais beaucoup plus que Megatron, ce que j'aime bien, mais malheureusement, ce qui fait un peu sortir Megatron du lot. Donc, on commence avec la tête, que je trouve quand même très jolie, même si le visage fait un peu bizarre. En plus, c'est vrai que le dessus de la tête est vraiment très grand, peut-être que le visage aurait dû être un peu plus grand. Non, je sais pas trop ce qu'il y a avec cette tête, ce qui fait que c'est pas trop celle qui me plaît le plus, je sais pas. Voilà, en tout cas, ça reste quand même relativement joli. Malheureusement, vous voyez ici que la peinture bleue n'est pas allée jusqu'au bout, ce qui fait que sur mon exemplaire, c'est moins... Enfin, là, c'est bien, mais de ce côté-là, ça l'est un peu moins, c'est dommage.
On a ici un pec pour pouvoir mettre un effet de tir. Chose que l'on retrouve d'ailleurs aussi sur les tibias, je pense que j'en parlerai pas après. Voilà. Au niveau de l'intérieur des ailes, vous pouvez voir que ça fait un peu comme s'il y avait des creux. Hein. Mais ça reste quand même pas trop mal. On a même de la peinture et un logo Decepticon. Ce qu'on aurait par exemple pas pu voir dans Power of the Primes. Voilà. Après, on a aussi des trous, mais évidemment, pour le mode alternatif, ils sont sur un angle, donc c'est pas forcément pratique pour mettre des trucs dedans. Voilà, donc on a, pareil, les Node Rays qui sont ici. Les avant-bras qui sont peut-être un peu gros, avec les mains qui sont un peu trop sur le côté. Ils auraient dû être un petit peu plus grandes, je pense, les mains aussi. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon, ça passe, c'est pas non plus trop grave. Ensuite, donc, on a les cuisses sont relativement simples, mais c'est bizarre parce qu'elles sont carrées, enfin elles sont rectangulaires. En général, j'ai plutôt tendance à voir les cuisses un peu plus rondes, enfin ou alors pas forcément, enfin pas plus épaisses qu'elles ne sont larges. C'est ça surtout qui me paraît bizarre. Les genoux ici sont pas forcément très gros. Peut-être que s'ils arrivent à faire un remold en Coneheads, ce qui m'étonnerait par rapport à la tête et à la place qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir la cacher. D'ailleurs, le petit panneau est un peu rentré. Bon, c'est pas très grave. Mais oui, la tête ne pourrait plus passer s'il y a un cône dessus, à moins de revoir complètement le backpack. Ce qu'il pourrait faire, mais bon, ce sera un peu compliqué. Mais en tout cas, s'ils font des conneries, je pense qu'ils feront comme pour les masterpieces et qu'ils mettront des pièces beaucoup plus grosses à cet endroit-là. C'est moche, mais c'est dans le dessin animé géant. On a donc du bleu ici, d'ailleurs j'ai pas parlé des effets de peinture abîmée, donc on en a un peu sur le torse ici, on en a pas à ce niveau-là, pas sur le cockpit, on en a sur les bras. Voilà, d'ailleurs on a une petite flèche vers le haut, c'est bizarre. Ici on en a là, on en a pas sur les pieds, donc ici ça donne quand même assez bien. Surtout qu'avec le bleu qu'on a là, j'adore ce bleu, le bleu peint. C'est les seules pièces bleues peintes à part donc celle-ci, et je trouve que ça donne vraiment bien. La peinture grise dessus avec même le bleu est très joli. Voilà. Donc sur le côté, ça va. Si on peut pas refermer les ailes plus que ça d'ailleurs. Hein. On a des. Vous voyez qu'ici on a des petites. Ça a été coupé sur un angle pour qu'on puisse les mettre seulement comme ça et pas plus vers l'avant. Mais donc voilà, si on met comme ça, on peut voir que le backpack n'est pas très très grand. Alors, je pense que j'ai dit que ça, cette pièce-là, n'était pas forcément très intéressante. Si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Donc on pouvait par exemple juste laisser cette pièce-là comme ceci. Ça aurait pas gêné grand chose, il suffisait de couper ça et ça nous aurait fait une pièce en moins à bouger. Mais c'est là qu'intervient quelque chose qui est bien, bien sympathique. Les réacteurs sont en fait des ports 5 mm. Ce qui fait que si on prend l'arme, on peut venir la mettre derrière. Voilà, c'est pour ça donc qu'on a ceci, c'est pour pouvoir par exemple combiner avec une armure qui vient les Deluxe Weaponizers, ou tout simplement des armes, ou alors d'autres. Des armures qui viennent avec les leader class, enfin surtout avec Shockwave. Voilà. Donc oui, pour l'arrière, on a évidemment le Tetrajet qui est un peu éclaté, hein, avec les ailes qui sont juste des grands blocs comme ça. À l'arrière aussi, on aurait pu avoir des trous, mais on a ces petits panneaux-là qui sont sur un ressort et qui font donc qui se rentrent à l'intérieur, ce qui est, je trouve, absolument génial. Alors des fois, il reste un peu coincé derrière le genou. C'est un peu bête, mais bon, voilà. En tout cas, ça referme les jambes, mais je trouve que c'est absolument génial. Ils auraient pu ne pas le faire, mais ils l'ont fait, et ça donne, franchement, ça donne des jambes qui sont très propres, au final. Et même un mode robot qui est très propre, parce que nous n'avons pas non plus de creux au niveau des bras. Seulement à l'arrière du coude, mais encore, c'est pour la transformation. Voilà. Les talons, donc, c'est juste des petites pièces comme ça, mais ça fait bien... Elles font bien leur boulot. C'est très sympa d'avoir des talons pour la stabilité, mais en même temps ça permet au réacteur de ne pas toucher le sol quand on le pose par terre, tout simplement. C'est posé vraiment sur le devant du pied et le talon. Voilà, on peut donc maintenant passer aux articulations. Donc la tête va un peu vers le haut comme ça, elle peut un peu bouger vers le haut sur la plaque, ce qui n'est pas très moche en fait, il pourrait même être juste comme ça sans que ça gêne. Voilà, vers le bas ça peut aller à peu près jusque là, les lumières sont très mal mises. Voilà. Au niveau des ailes, il peut donc les ramener entièrement vers l'arrière, vers l'avant jusque là. Et donc nous avons un axe ici qui permet de les ramener par exemple vers le haut. Donc évidemment l'axe est l'axe est un peu sur un angle. Hein. Quand on met les ailes à peu près droites, ce qui fait que pour les lever, il faut vraiment les mettre en arrière.
Voilà. À noter que même si on met les ailes tout à fait en arrière, avec les talons, il ne tombe pas. Ce qui est quand même très appréciable. Voilà. Au niveau des bras, bon, on va encore écarter les ailes. On peut faire 360 degrés comme ça. On peut remonter jusque là. Ça tourne à cet endroit-là. Évidemment, l'arme peut venir se mettre ici, ici ou dans la main. Ou même dans le dos, comme j'ai montré tout à l'heure. On a aussi des ports 5 mm là pour pouvoir les mettre ou d'autres armes. Ainsi que à l'intérieur des réacteurs, même si ça tient un peu moins bien, je pense. Voilà, parce que c'est tout simplement parce que c'est ouvert à cet endroit-là. Ensuite, donc, j'ai dit ça tourne à cet endroit-là. On a une double articulation au niveau du coude, ce qui nous permet quand même de plier le bras pas mal. Hein, c'est vraiment bien. Après, il faut savoir jouer avec pour donner une articulation à peu près bien. A noter qu'on peut aussi rétracter un peu le bras comme ça, mais malheureusement, c'est un peu moche à cet endroit-là. Mais bon, si on a envie d'avoir des bras un peu plus courts, je vois pas pourquoi on aurait envie. Les mains tournent, ce qui est une très bonne chose, sachant que sur Megatron, ça ne tourne pas, et sur Soundwave, ça ne tourne pas non plus, et que les deux autres ont en plus des trous dans les avant-bras, alors qu'ici, on n'a pas de trous, et ça tourne, ce qui est franchement bien supérieur. Ensuite, ça tourne à cet endroit-là, on peut juste bouger un peu le backpack si on a envie pour bouger un peu plus loin, mais bon, ça peut pas vraiment aller plus loin que ça, mais de toute façon, étant donné qu'on a une petite partie du cockpit de ce côté-là du bassin, enfin, accroché au bassin, ça casse un peu la silhouette de le faire trop bouger. Alors, on peut le faire bouger un peu, mais pas trop, ça serait dommage. J'ai oublié de parler d'ailleurs des articulations qui font qu'on peut ramener les épaules vers l'avant. Ça peut aller à peu près jusque-là, mais bon, ça touche un peu dans le... Vous voyez ? Si on le met trop loin, ça vient détacher un peu... Le torse, ce qui est dommage. Au niveau des jambes, ensuite on peut les ramener vers le haut, jusque là à peu près. Si on les ramène un peu plus comme ça, on peut les ramener un peu plus vers le haut, ce qui est vraiment pas mal. Vers le bas, à peu près comme ceci. Ça fait partie de ces articulations de la jambe avec des jambes universelles que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on a vraiment les parties de la jupette, en quelque sorte, qui sont prises autour, enfin qui forment en fait l'articulation. Ce que je trouve vraiment bien, étant donné qu'on n'a pas des panneaux à soulever pour bouger ou des trucs qui vont venir se mettre sur la dans l'alignement de la jambe, ce qui va bloquer le mouvement. On a vraiment quelque chose qui est libre de bouger. Ensuite, ça peut tourner ici et ça peut aussi s'écarter sur le côté. Malheureusement, on ne peut pas vraiment écarter plus que ça, étant donné qu'on a... Ben, en fait, c'est ce que j'aime bien qui bloque un peu, étant donné qu'on a, vous voyez, une cuisse... qui prend toute la largeur, ça vient taper, enfin ça vient se cogner dedans, et ça peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais, si on utilise cette rotation-là, donc qui tourne comme ça, on peut ramener la jambe entièrement comme ceci, et tourner ensuite ainsi. Ce qui lui permet donc d'aller à, d'ouvrir entièrement les jambes à, un angle plat, 180 degrés. Et on a aussi ici d'ailleurs un trou pour pouvoir mettre sur un stand de figurines, ce qui est plutôt sympathique. On en avait un aussi en mode alternatif, si je me souviens bien. Oui, il doit être sous une pièce, hein, forcément. Je ne sais plus où. Oui, voilà. Il est ici. Voilà. Donc, ensuite, donc, au niveau du genou, on peut ramener à peu près jusque là, sans bouger la pièce qui ferme la jambe. Mais si on la bouge, on peut ramener entièrement jusque là, c'est normal, c'est pour la transformation. A noter que c'est pas mal d'avoir un cran comme ça si on veut utiliser ce cran. A noter aussi qu'on a des détails ici qui sont franchement très très jolis, je sais pas si vous pouvez bien les voir, comme ça vous devriez les voir. On en a aussi évidemment de l'autre côté. Et enfin, pour les pieds, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il est très articulé au niveau des pieds. Peut aller vers l'avant jusque là, quand même, c'est pas mal, vers l'arrière jusque là, c'est pas mal non plus. Il peut évidemment bouger l'avant des pieds et les talons comme ça, et donc il peut aussi ramener les pieds sur le côté, donc ça va pas forcément très loin, mais c'est déjà bien, ça permet d'avoir plus d'articulation tout simplement, et de le mettre droit quand il a les jambes écartées, enfin droit, d'avoir les pieds qui touchent par terre. Donc voilà, j'adore ce Starscream, je trouve qu'il est très bien articulé, en plus d'être très joli. On va donc maintenant pouvoir passer aux comparaisons avec donc Megatron. Je vais mettre Megatron au centre. Et Soundwave. Et je trouve qu'ils donnent vraiment très bien tous les trois. Alors, ils ne font pas la même taille, c'est vrai. Ils ne font pas la même taille tous les trois. Après, on peut dire que Starscream a les ailes.
ce qui l'aide un peu. Mais Sandrave n'a rien qui prenne beaucoup de place. Après, c'est vrai qu'il a le système d'ouverture de la porte. Mais en tout cas, il donne vraiment bien tous les trois. J'aurais aimé que Megatron ait le même niveau de détail que Starscream et Soundwave. Parce que quand on regarde Soundwave, on voit qu'il a beaucoup de détails à cet endroit-là. Quand on regarde Starscream, pareil, au niveau des épaules, on voit qu'il a quand même pas mal de détails. Alors que Megatron, bah, il a quand même beaucoup moins de détails. Et même au niveau du torse, ça reste très plat. Alors oui, ça reprend très bien l'esthétique de la série Combiner Wars, comme j'avais dit, je pense, dans ma review. Ce qui est quand même un très bon point. Mais, je sais pas, je pense que j'aurais préféré plus de détails pour avoir une gamme Siege qui soit un peu plus cohérente, parce que j'aime bien la cohérence en plus de l'échelle. Et là justement, comme je disais, ils ne font pas la même hauteur. Soundwave est un peu plus petit que Megatron, et entre Soundwave et Starscream, bon, ça reste à peu près de la même taille. Starscream est peut-être à peine plus petit au niveau de la tête, mais un peu plus grand grâce à ses prises d'air. Mais donc voilà. L'échelle est très bien, les trois donnent bien ensemble. Franchement, ce sont de très bons voyageurs. Il ne manque plus donc que Shockwave pour finir les quatre Decepticons les plus connus. Voilà, peut-être après d'autres viendront comme Reflector peut-être. Bref, donc voilà, est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur ce Starscream? Je ne pense pas, franchement, le mode robot est absolument génial. Pour le mode alternatif, comme je pense que je l'avais dit au début, comme je vais me répéter, mais c'est pas grave, ne faites pas la fin d'une vidéo 4 jours après avoir fait le début. Alors ça m'énerve. Ça ne veut plus. Voilà. Donc oui, ce Starscream est absolument génial. Le mode alternatif est très sympa, parce que c'est un Tetrajet, et les Tetrajet, on en a trop peu. Les derniers, c'était Impossible Toys, je crois, qu'ils avaient fait en third party, et c'était à peu près horrible. Si je me souviens bien des quelques vidéos que j'ai regardées dessus, ça tombait, il y avait des pièces qui tombaient, ou ils étaient assez fragiles, ou trucs comme ça, enfin, bref. En plus, il est officiel, et je trouve qu'il est vraiment génial. Alors, de là à acheter tous les Seekers, et les Coneheads, et les Rainmakers, et Redwing, je sais pas si les Rainmakers et les Coneheads vont être faits, mais je pense que oui. Donc, de là à acheter tous les Seekers qui existent avec ce mold, je ne pense pas, parce que déjà, je n'ai pas l'argent à mettre dedans, mais ça donnerait quand même très bien, surtout en Voyager, parce que les précédents Seekers étaient des Deluxe, et que ça, c'était beaucoup trop petit. Voilà, là on a une très bonne taille. Après, vous pouvez toujours vous plaindre que si on compare avec un ancien Voyager, c'est tout petit, c'est minuscule, les Voyagers sont beaucoup plus petits maintenant qu'ils étaient avant. C'est vrai, bon, c'est comme ça, au moins on a de la qualité, c'est très joli, franchement c'est très G1 et on n'avait pas aussi G1 avant. Je dis pas que la réimagination de G1 n'est pas bien, c'est juste que c'est parfois bien d'avoir des trucs G1 quand on aime l'esthétique G1 sans avoir à débourser des centaines d'euros pour des masterpieces. Donc c'est à peu près tout, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce Starscream Siege Voyager Class, je vais y arriver. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à donner votre avis sur le jouet en commentaire aussi. Allez, faites un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouvelles sorties en Siege, et aussi mon sujet de collection, mon sujet de review et là où je participe en général, c'est là où je participe le plus je pense, peut-être, possible, voilà. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéos Transformers, surtout juste après et juste en dessous en description. Et voilà, donc, on devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Eider, fan de former un jour, fan de former toujours, allez, salut!